For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord, Church. Gloire à l'Éternel, Église. It is my joy again to welcome you in this session, this Sunday service. C'est ma joie une fois de plus de pouvoir vous inviter dans cette session, dans ce culte de dimanche. I just tell you, you are a special people, lovely people, with your families before the Lord. J'aimerais vous dire que vous êtes des gens spéciaux et bien-aimés et des gens bien-aimés devant l'Éternel. If anybody does not love you, appreciate you, know the Lord Jesus loves you. Si quelqu'un ne vous aime pas, mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Whatever race you are, whatever nationality, tribe, tongue, whatever, learned or unlearned, rich or poor, know that Jesus loves you. N'importe quelle race, n'importe quelle tribu, quelle langue, que vous êtes riche ou pauvre, sachez que Jésus-Christ vous aime. And let me assure you, even before we begin the meeting, that he will transform every one of us. Alors j'aimerais vous assurer aussi, même avant que nous commençons la réunion, qu'il va transformer chacun de nous. To be what he intended before the foundation of the world. Il va nous transformer dans la manière dont il avait désiré depuis le fondement du monde. So having said that, I welcome you in this service. Alors, disant cela, je vous invite, je vous souhaite les bienvenus dans ce culte. Let me pray. Prions. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Blessed be your name. Béni soit ton nom. Be glorified and be exalted. Sois glorifié, sois exalté. We thank you again. Nous te remercions une fois de plus. Throughout the week you have been with us. Pendant la semaine, tu as été avec nous. Since last time. Depuis la fois dernière. We know it has taken your hand to protect us. Je sais que ça a pris ta main de nous protéger. And since you have helped us to see this time. Et comme tu nous as aidé à voir ce moment. We know you want to give us greater blessings and teachings that will help us. Je sais que tu vas nous donner des enseignements et des bonnes manières et des enseignements qui vont nous aider à prospérer. So we pray that you will be with us, starting from with us and then finishing with us. Alors je prie que tu puisses commencer avec nous et clôturer aussi avec nous. Sanctify our lives, sanctify our homes, sanctify our places of work, sanctify our environment by the power of the blood of Jesus. Sanctifie nos foyers, sanctifie nos lieux de travail, sanctifie nos vies et aussi partout là où nous sommes avec le sang de Jésus-Christ. And let the Holy Spirit unite us in the Spirit to be in one accord, to be in one, in the Spirit, so that we can see the blessings of God. Et que le Saint-Esprit puisse nous unir en accord, afin que nous puissions voir les bénédictions de Dieu. And let the Lord Jesus destroy every hindrance in our lives, in our families, in the environment that can hinder the move of the Spirit. Et que le Seigneur Jésus-Christ puisse détruire toutes choses qui peuvent empêcher le mouvement de l'Esprit de Dieu dans nos vies, que ce soit dans nos environnements aussi, dans le nom de Jésus. So that is our prayer as we prepare to begin. Alors ceci est notre prière pendant que nous préparons de commencer. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. So, I welcome you. As I said, God loves you, and we too love you. That's why we value you as God values you. And it is my joy to welcome you. And we want to begin by appreciating the Lord for the things we are being taught. Alors, j'aimerais vous inviter, vous apprécier que Jésus-Christ vous aime et je vous aime. Alors, j'aimerais aussi vous inviter pendant que nous allons entendre de ce que l'Éternel a préparé pour nous.
We want to thank the Lord for the teachings he is teaching us. Nous voulons remercier l'Éternel pour les enseignements qu'il est en train de nous enseigner. Concerning death, because you and me fear when we hear death, people are dying, we fear. But now this teaching is removing every fear. And when we do the will of God, we shall be bold, whether we die or not. Alors, maintenant, nous avons écouté les enseignements sur la mort, parce que la plupart des fois, nous avons peur ou crainte quand nous écoutons ou nous entendons de la mort. Mais maintenant, à cause de ces enseignements, cette crainte est en train d'être enlevée. Et maintenant, nous sommes en train d'être bénis par les enseignements qui concernent la mort. Can we take a minute to appreciate the Lord? Alors, prenons une minute de pouvoir apprécier l'Éternel. Father, we thank you, we appreciate you. Père éternel, nous t'apprécions et nous te remercions. The fear of death that has held us prisoners for so long, the Lord wants to remove that fear. Cette crainte qui nous a mis cette crainte de la mort dans laquelle l'ennemi nous a mis, cela maintenant le Seigneur Jésus-Christ aimerait enlever. By revealing to us the truth about every type of death. En révélant chez nous la vérité concernant toutes sortes ou tout genre de mort. And life after death. Et aussi la vie après la mort. And especially for those who qualify to be raptured. Et surtout pour ceux qui sont qualifiés d'être enlevés. A good eternal life. Il y a une vie éternelle bonne. We thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur. Because as we desire to live a holy life. Parce que pendant que nous désirons de vivre une vie sainte, a pure life. Une vie de pureté. Death shall not be a snare to us. La mort ne sera pas un piège pour nous. Because we know after death there is life. Parce que nous savons qu'après la mort il y a la vie. A good life. Il y a une bonne vie. Thank you for this revelation. Merci pour cette révélation. Thank you for using your servant. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Thank you for helping us to avail ourselves. Merci de pouvoir nous donner le temps d'être disponible. In many parts of the nations, en plusieurs parties des nations, to hear this great revelation, de pouvoir écouter et entendre cette grande révélation. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. We want to open I together with you in the book of Romans chapter 8 from verse 1 to 11. We read it is about the Holy Spirit to help you and help me. Alors lisons dans les livres de Romains chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au verset 11 afin que le Saint-Esprit va nous aider. So, open your Bible. Alors ouvrez vos Bibles. In whatever language. Dans n'importe quelle langue. It is written. N'importe quelle langue vos Bibles étaient and écrites. The Holy Spirit will help you. Le Saint-Esprit vous aidera. Verse 1. Verset 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verse 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verse 4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. 8. So then, those who are in the flesh cannot please God. Verset 8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verse 9. But you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verse 10. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Le verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Brethren, we want to embrace the Holy Spirit as we prepare our hearts. Alors, chers frères et sœurs, nous aimerons accueillir le Saint-Esprit pendant que nous préparons nos cœurs. Because that is his work to help us not to miss the rapture. Car son travail, c'est de nous aider de ne pas rater l'enlèvement. As we have been learning, pendant qu'on apprend, though the physical body can die, même si le corps physique peut mourir, but the inner man, which comprises the spirit and the soul, if we have done well, it will go to eternal place. Mais l'homme intérieur qui constitue donc l'âme et l'esprit, si nous vivons une vie juste, cela nous amène envers Dieu. We want now to engage the Holy Spirit, all of us. Alors, nous voulons engager maintenant le Saint-Esprit, chacun de nous. First prayer is that let all of us pray, Holy Spirit, search my heart. Alors que la première prière soit que le Saint-Esprit puisse sonder nos cœurs. Anything that can disqualify me from eternal life. Toute chose qui peut me disqualifier de la vie éternelle. Reveal to me. Que tu puisses me révéler. Can we start to pray that prayer, Father, in the name of Jesus? Alors prions cette prière. Père, dans le nom de Jésus. We come to you. Nous venons à toi. Praying, Lord. Nous prions, Éternel. That you reveal to us. Que tu puisses nous révéler. You reveal to me and to all the brethren. Tu vas me révéler et tu vas aussi révéler à tous les chers frères et sœurs. Anything in our hearts. Toutes choses dans nos cœurs. In my heart. Dans mon cœur. In the heart of all of us. Dans toutes nos cœurs. That can disqualify our lives. Qui peut nous disqualifier. Oh Lord. Oh Seigneur. We come to you. Nous venons à toi. Knowing the Holy Spirit, sachant que le Saint-Esprit has been mandated. Il a, c'est lui qui a le mandat. By God the Father, the Son. De Dieu le Père et de Dieu le Fils. To make us fulfill all the criteria. De nous faire accomplir tous les critères. To be the bride of Christ. Les critères d'être l'épouse du Christ. Holy Spirit, touch our mind. Saint-Esprit, que tu puisses sonder et toucher nos pensées. Touch our heart. Que tu puisses toucher nos cœurs. Expose anything. Que tu puisses dénoncer toute chose. Any sin. Tout péché. Any iniquity. Toute iniquité. Any transgression. Toute transgression. Any abomination. Toute abomination. Touch everyone of us. Que tu puisses toucher chacun de nous. This is our prayer. Ainsi, c'est notre prière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now we want to begin to confess anything that the Holy Spirit has revealed to you. Start
confessing before the Lord. Alors nous voulons maintenant confesser toutes choses que le Saint-Esprit vous a révélées, confessez-les devant l'Éternel. Father, I come to you. Alors Père, nous venons à toi. Acknowledging the Holy Spirit has exposed in me. Je reconnais que le Saint-Esprit a exposé ou dénoncé en moi all the sin in my soul. Toute l'iniquité, le péché dans mon âme, my mind, dans mes pensées, my imaginations, dans mes imaginations. I know. Je sais the first sin, que le premier péché, cela c'est l'impardon envers mon frère et ma soeur, my family members, envers mes membres de famille. But I repent. Mais je me repens. I ask you to forgive me. Je prie que tu puisses me pardonner and forgive every one of us. Et de pardonner chacun de nous. I ask you, oh Lord, je te prie, oh Seigneur, to forgive us, Lord, que tu puisses nous pardonner for all deceitfulness de toute séduction and lies et de tout mensonge. You said all liars, tu as dit que tous ceux qui pratiquent les mensonges, they will not enter your kingdom. Ils n'entreront pas dans ton royaume. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive us for every pride, pardonne-nous de tout, pour tout orgueil and arrogance, et toute arrogance, in the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Help us, Lord. Aide-nous, Seigneur. Every form of rebellion, que toute forme de rébellion, disobedient to your word, la désobéissance à ta parole, Almighty God, ô Père éternel tout-puissant, we repent, nous repentons, asking you, nous te demandons to break our hearts, de pouvoir briser nos cœurs. We know also, nous savons aussi, our soul, que nos âmes, has lifted itself, cela s'est levé, to idols of every kind. On a levé nos âmes à toute idole de tout genre. We inherited and we acquired and we were conceived in our mother's womb. Ce sont des péchés que nous avons hérités et quand on était conçus dans le sein de nos mères, on a hérité ces péchés. We know our talks have not been right. Nous savons que nos paroles n'ont pas été justes. They have defiled ourselves and the people and the environment. Ils ont nous souillé nous-mêmes, nos peuples et aussi l'environnement. We know all, we have done all forms of injustice. Nous savons que nous avons commis toutes formes d'injustice. Sexual immorality of every kind. L'impudicité et l'immoralité sexuelle de tout genre. Grieving the Holy Spirit in every kind. Nous avons attristé le Saint-Esprit dans tout genre, dans toute forme. Quenching the Holy Spirit. Nous l'avons attristé et l'abaissé aussi. And yet he is mandated to work the full complete redemption in our lives. Or il a le mandat de pouvoir travailler et compléter la rédemption dans nos vies. Forgive us, Lord. Que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Touch our hearts, Lord. Touche nos cœurs. Touch our minds, Lord. Touche nos pensées. We know all the acts that are in our inner man. Nous savons tous les actes qui se trouvent dans notre homme intérieur. Are the qualifications. Ils sont les qualifications. To help us to receive eternal life. Cela, ce sont les qualifications de nous aider à recevoir la vie éternelle. Sanctify our inner man. Que tu puisses sanctifier notre homme intérieur. Remove dirty linen. Enlève, Seigneur, le lin sale. Our righteousness is as filthy as rags. Notre justice est comme de torchons déchirés. Wash our inner man. Alors que tu puisses laver notre homme intérieur. We know there is imminent judgment. Nous savons qu'il y a un jugement imminent. When we die physically. Quand nous mourons physiquement. Oh Lord, help us. Oh Seigneur, aide-nous. Not to go to hell. De ne pas aller en enfer. Help our children. Aide nos enfants. Help our spouses. Aide nos femmes. Our husbands. Et aussi aide nos époux. Our wives. Et nos épouses. All our household members. Et tous membres de nos familles et foyers. Touch each one of us. Que tu puisses toucher chacun de nous. Oh Lord. Oh Seigneur. We don't want to fall. Nous ne voulons pas tomber. Into that terrible judgment. Dans ces jugements terribles. Help us by the power of the Holy Spirit. Aide-nous par le pouvoir du Saint-Esprit. To live a life that is spirit-led. De vivre une vie qui est dirigée par l'Esprit. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Aide-nous. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood.
His power mighty, in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is cleansing. There is cleansing mighty in the blood. Blood of Jesus. There is cleansing mighty in the blood. There is cleansing mighty in the blood of Jesus Christ. There is cleansing mighty in the blood. Let the blood flow in our homes. Que le sang de Jésus puisse couler dans nos foyers. Let the blood flow over our hearts. Que ça puisse aussi circuler dans nos cœurs. Over our minds. Dans nos pensées. To do a thorough purging. De pouvoir faire une purification totale. If the Christ can come now, que même si Jésus-Christ vient aujourd'hui, maintenant, nous pouvons être qualifiés. Let the blood work mightily, et que le sang puisse travailler puissamment and redeem our inner man, et de pouvoir racheter notre homme intérieur. Because we want our inner man, car nous voulons que notre homme intérieur have white linen, d'avoir le fin lin blanc. That when the judgment comes, que quand maintenant le jugement arrive, we shall be told, nous dira, well done, servant. On nous dira, bien fait, fidèle serviteur. Go to paradise. Allez au paradis. How joyful, how happy it can be. Quelle joie et comment nous serons contents. We desire that encounter. Nous désirons cette expérience. That is our prayer. Ainsi, c'est notre prière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Can we say amen? Disons amen. Can we say hallelujah? Disons alléluia. Can we say glory to Jesus? Disons gloire à Jésus. Because he has heard our prayers. Car il a entendu nos prières. And let me tell you, et laissez-moi vous dire, the Spirit of God is moving. Que l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Where you are weak, I know you have been strengthened. Là où vous êtes faible, je sais que vous êtes fortifié. To hate every form of sin. De pouvoir haïr toute forme de péché. And to live a righteous life. Et de vivre une vie de justice. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Amen. And now, having done that, et maintenant, faisant cela, I want to welcome the praise and worship. J'aimerais inviter l'équipe de louange et adoration. Because the word of God says, car la parole de Dieu dit, God dwells in the midst of his praising people. Dieu demeure dans l'assemblée de ceux qui le louent. So be a praiser and worshipper of the Lord this time. Alors qu'on soit des adorateurs et des adoratrices de Dieu aujourd'hui. And God is going to bless you. Et Dieu nous bénira. Welcome, bénirons. Praise and worship. Soyez les bienvenus, équipe de louange et adoration. Come, O ye faithful, joyful and triumphant. O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O Toi coupa ou tout coup.
mfalme wewe peke ni mfalme wewe peke ni mfalme Yesu Bwana Jesus is King, Jesus is worthy, He is Lord and He is Savior. We worship our God, we bless Him and we magnify Him for this day. We are happy to be together once more in God's presence. As we praise Him, as we sing to Him, we enter His courts with praise. We come into His gates with thanksgiving. We bless the name of Jesus. Join us as we sing, as we exalt and magnify the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Let us join our hands together even as we want to praise the Lord. Come Hallelujah. On. Come on and dance for Jesus. Hallelujah. Asante Bwana, tutasema asante Yesu. Asante Bwana, tutasema asante Yesu. Asante Bwana, tutakupenda tukuinua. Asante Bwana, tutasema asante Yesu. Asante Bwana, tutasema asante Bwana. Asante Bwana, tutasema asante Yesu. Asante Bwana, tutasema asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu, asante Bwana, tutasema asante. Asante Bwana, tutasema asante Yesu, asante Bwana, tutakupenda tukuchezea. Asante Bwana, tutasema asante Yesu, asante Bwana, tutasema asante Yesu. Asante Bwana, tutasema asante Yesu, asante Bwana. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are singing, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Lord, we love you. Lord, we dance for you. Thank you, my Lord. We are saying, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Lord, we love you. Lord, we dance for you. Thank you, my Lord. We are saying, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Asante Bwana, tutakupenda tukuchezea. Asante Bwana, twasema asante Yesu. 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 Asante Bwana, twasema asante Yesu.
Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Say thank you to Jesus. We are alive because of him. We live because of him. He is our God. He protects us. He keeps us. He watches over us. Just like you have done for the rest of this year, O God, for the whole of this year until this time, you have been with us. We have seen your goodness. We have seen your greatness. Thank you, Lord. We say thank you. Nimeona wema wako. Nimeona fadhili zako we. Baba, sema asante, sema. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako we. Baba, nasema asante. Nimeona, nimeona wema wako, nimeona fadhili
mwambie nimeona. Nimeona wema wako. Nimeona fadhili zako we Baba. Nasema asante. Asante. This nation, you have been good to the nations of the world, regardless of what we faced in this year. God, you have been our shield and our protection. We give you praise. We honor you. We just want to say thank you, Jesus. We just want to say thank you for all the things that you have done for us, oh God. As we draw to the close of this year, oh God, we look back and we say, indeed, had it not been for the Lord, where would we be? Had it not been for God, where would we be? When the enemy came up like a flood, the Lord raised the standard. Thank you, Jesus. Asante, Yesu. Asante, Yesu. Asante. Asante Yesu, Asante.
wema wako. Asante kwa fadhili zako ambazo zadumu milele. Asante kwa utulivu. Asante Bwana kwa kutuliza mioyo yetu. Asante kwa amani yako. Asante kwa Roho Mtakatifu aliyetuongoza mwaka huu wote, akatusaidia hadi wakati huu. Bwana, umekuwa Ebeneza katika maisha yetu. Umetulinda, umetuongoza. Umbali huu Bwana umetuleta. Twashukuru, twasema asante. Twalinua jina lako kuu Bwana. Unastahili sifa, unastahili kuabudiwa Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza wote. Oh, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Bwana, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Oh, tunakupenda. Tunalisifu na kulinua jina la Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ni shucha wetu. Yesu ni mwokozi wetu. Yesu ametupigania vita. Yesu akatupa ushindi. Yesu ametuwezesha. Yesu ametusimamisha. Yesu ametuweka imara. Yesu ametusaidia. Yesu ametuongoza. Yesu ametosheleza mahitaji yetu yote. Asante Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. We thank you Lord, we bless you Jesus. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. I know you feel very joyful, very happy. You are rejoicing in the Lord. Je sais que vous sentez content et vous êtes dans la joie et vous vous réjouissez dans l'Éternel. After such a high level of praise and worship, après un tel niveau de louange et adoration, you can never remain the same. Vous ne pouvez pas rester le même. So I know you have been blessed already. Alors je sais que vous êtes déjà béni. Now I want to take this time. Alors j'aimerais prendre ce temps. To pray for the servant of the Lord. De prier pour les serviteurs de Dieu. Father, in the name of Jesus Christ. Père, dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For you have loved us so much. Car tu nous as beaucoup aimés. You are taking us step by step. Tu nous amènes étape par étape. Through these teachings. À travers ces enseignements. You don't want anybody to miss the rapture. Nous ne voulons que personne puisse rater l'enlèvement. You don't want anybody to go to hell. Nous ne voulons pas que quelqu'un ou chacun de nous puisse aller en enfer. Ourselves we refuse. Même nous-mêmes nous refusons. After having had such a teachings. Après avoir entendu de tels enseignements. And that's why we have gathered. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés. Lord, we pray. Nous prions. That you will help your servant. Que tu puisses aider ton serviteur. To proclaim your word. De proclamer ta parole. To touch our hearts. De pouvoir toucher nos cœurs. If there is anything. S'il y a quelque chose. That can make us not to go to heaven. S'il y a quelque chose qui peut nous faire rater le ciel. Time, en maintenant ce moment, the word of God, que la parole de Dieu, through your servant, que la parole de Dieu à travers ton serviteur, bring a change, que cela puisse amener une transformation, a transformation, que ça puisse amener les changements, a hatred of every sin, et de pouvoir haïr toute forme de péché, because you know the problem is sin, car nous savons que le problème c'est le péché. That's why we pray, et c'est pour cela que nous prions, you anoint your servant, que tu puisses oindre ton serviteur, that the yokes of sin, que tout le joug du péché, slavery of every kind, d'esclavagisme de toutes sortes,
be it from wherever, que ça soit de n'importe quelle direction, will be broken, que cela sera brisé, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus-Christ. So prevail, alors que tu puisses dominer sur sa vie. Prevail, domine over his interpreter, sur son interprète. Prevail, domine over everyone who has gathered this time, sur chacun qui s'est rassemblé ici à ce moment. We pray, nous prions that your angelic being, que tes anges will infiltrate, ils vont infiltrer the homes and environments of every one of us, les foyers et les environnements de chacun de nous, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. This is our prayer. Ainsi c'est notre prière. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Can we say amen? Disons amen. Can we say hallelujah? Disons alléluia. Can we say Jesus is good? Disons Jésus est bon. Now I take this time, alors j'aimerais prendre ce temps, welcome papa, de pouvoir inviter papa, papa Dikanyakina, and his interpreter, et son interprète, brother Elijah, le frère Eli. So welcome. Soyez les bienvenus. Thank you so much, Pastor Oyoko. Merci beaucoup, Pasteur Oyoko, for this invitation. Pour cette invitation. What a joy to be again with the people here of God. Quelle joie d'être encore ici avec le peuple de Dieu. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. And we want to celebrate his name. Et nous voulons célébrer son nom. Because parce que he has wonderful things for us. Parce qu'il a des choses merveilleuses pour nous. And his plan for us is fantastic. Et son plan pour nous est fantastique. Continue to trust him to reveal it to us bit by bit. Et nous continuons à de se confier en lui, de nous les révéler ses plans petit à petit. And we thank God for the word of God that he gave us. Alors nous remercions aussi l'Éternel pour sa parole qu'il nous a donnée. So today we are back into our address to you. Alors, nous rentrons maintenant à l'adresse ou le message que nous avons pour vous. Last Sunday, we focused on telling you that there are two types of life in this world for every human being. Le dimanche dernier, on avait parlé de deux sortes ou de deux genres de mort qui existent pour un être humain. Kind of lives. Donc deux sortes de vie qui existent pour n'importe quel être humain ou tout être humain. The first life, la première vie, is the one that is inborn with us. C'est cette vie dans laquelle on est né. And it is that life which make together, maintain together our inner man and our physical body. Et c'est cette vie qui maintient ensemble notre homme intérieur et notre corps physique. And it helps us to have the understanding of the influence of the physical realm. Alors cela nous donne la compréhension de le monde physique ou le règne physique. And the body that we have, because it is physical, et le corps que nous avons, parce que cela est physique, it helps us with his five senses. Cela nous aide avec ses cinq sens, donc cinq sens. To capture and perceive everything that is happening in the physical realm. De pouvoir capturer et percevoir ce qui se passe ou ce qui se trouve dans le règne physique ou dans le monde physique. Mm-hmm. So, that is the life that comes with every human being who is born. When he is born, he has that life. Alors, voilà la vie qui se trouve dans chaque être humain qui est né. Quand il est né, il contient cette vie. And that life, et cette vie, it finishes. Cela termine. When the body, the physical body, is separated from the inner man. Quand maintenant le corps physique est séparé de l'homme intérieur.
Now, the inner man, as I showed you last time, he is a unit. Alors, l'homme intérieur, comme nous l'avons observé la fois passée, est comme une unité. But it comprises two different parts. Mais cela, il est composé de deux parties différentes. You have the part that is called the soul. Vous avez la partie qui s'appelle l'âme. It is totally different from the part called the human spirit. Cette partie est différente de la partie qui s'appelle l'esprit humain. And we have given a lot of description of the inner man and the physical body in our messages that we always give you every Sunday. Et nous avons donné des descriptions de du corps physique et l'homme intérieur dans les enseignements précédents chaque dimanche. Mm-hmm. Entitled Who Are You? Cela intitulé Qui es-tu? Wewe ni nani in Swahili? En Kiswahili, qui es-tu donc wewe ni nani? And then in French, because there is translation in French. Et aussi la traduction en français. Qui es-tu? Qui es-tu? So, if you want really much to know about you yourself, your inner man, your physical body, go back to those teachings. Alors, si vous voulez connaître vous-même ce qui concerne l'homme intérieur, alors que vous puissiez revisiter ces enseignements. From episode 1 until now, last time we had episode 31. De premier épisode jusqu'au 31e épisode. So, but for the time being now. Mais pour le moment maintenant. We want to describe the second type of life that is not unborn. Nous voulons maintenant décrire la deuxième sorte ou genre de vie qui n'est pas, dans laquelle on n'est pas né. You are not born with that second life. Cette deuxième vie, vous n'êtes pas né avec cette deuxième vie. Nobody is born with that second life. Personne n'est né avec cette deuxième vie. Except Jesus Christ. Sauf Jésus-Christ. So, but it is a life that we can acquire when we are born. Mais c'est une vie qu'on peut avoir quand on est né. On peut acquérir ça quand on est né. Mm-hmm. Oui. We are going in this message, God willing, to show you how you can acquire that life when you are still living. Dans ce message, nous allons observer comment est-ce que vous pouvez acquérir cette vie. Because you cannot acquire it by birth. Bah parce que vous ne pouvez pas l'acquérir à travers la naissance. You cannot even acquire it after your physical death. Vous ne pouvez pas même l'acquérir après votre mort physique. You can only acquire that when you are alive here on this physical realm during the span of time that God has destined you to live. Vous pouvez seulement l'acquérir pendant ces temps donc que vous vivez selon le temps que Dieu a fixé pour vous d'exister sur cette terre. It has been a lot of conflict of understanding when we talk about life, reading the word of God, many scriptures. You may not know if you are not well schooled. You may not know which life this scripture is talking about. Is it? Alors, parfois vous avez des conflits de compréhension selon cette vie. Parfois vous ne comprenez pas quelle vie donc Dieu est en train de parler dans ces cas. Yeah. Is it the life of the physical body? Est-ce que c'est la vie du corps physique?
Or is it the life of the inner man? Ou bien est-ce que c'est la vie de l'homme intérieur? Is it the life that is beyond this physical life? Est-ce que c'est la vie qui est au-delà de cette vie physique? We are going to deal with that. Cela, nous allons traiter et l'observer. Last week, on a Sunday, we talked about the reason why a human being is born here on earth. Donc, le dimanche dernier, nous avons regardé, nous avons observé la raison pour laquelle un être humain est né ici sur terre. Originally, alors, originellement, man was meant to live forever here on earth. L'homme a été créé de vivre ici éternellement sur terre. Having a mandate to accomplish, ayant un mandat de pouvoir effectuer et exécuter. We see that in Genesis chapter 1. Nous le voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 1. From verse 26. Du verset 26. When God said, quand Dieu a dit, now let us make man in our own image. Qu'on fasse l'homme dans notre image. And our own likeness. Et dans notre ressemblance. That means man was created in God's image and in God's likeness. C'est-à-dire que l'homme était créé dans l'image de Dieu et dans la ressemblance de Dieu. So, in the future, we are going to discuss by the grace of God. Alors, en désormais ou en avenir, nous allons par la grâce de Dieu. Go deeper into the understanding of what God meant. Nous allons aller en profondeur pour comprendre ce que Dieu voulait dire. When he said, let us make man in our own image and our own likeness. Donc, quand Dieu a dit qu'on fasse l'homme dans notre image et aussi dans notre ressemblance. And then he said, for which reason? The purpose is for him to have dominion. Et cela, c'est pour quelle raison? L'objectif, c'est pour que l'homme puisse avoir l'autorité. Dominion over all the aspects of life that are in this planet Earth. Que l'homme puisse dominer sur tout aspect de vie qui se trouve ici sur la planète Terre. Life found on the ground of the surface of the Earth. Donc la vie qui se trouve sur la surface de la Terre. The animal, the insect, the everything that crawls on the ground. Les animaux, les insectes et toutes choses qui rampent sur la terre. And everything that is shooting, coming out of the earth, like trees and all that, forest, etc. Et beaucoup d'autres choses qui sortent de la terre ou qui se poussent de la terre, comme les arbres, les fleurs, etc. Have also dominion over the life in the water. Qu'il puisse aussi dominer la vie marine. Ocean. Donc les océans, lakes, les lacs, rivers, les rivières et les fleuves, and all kind of waters, et toutes sortes d'eau, and the things that lives there, et les choses qui y habitent, and then in the atmospheric area of the earth, et aussi dans le lieu atmosphérique de la terre, everything that is there. Toutes choses qui se trouvent. Including birds and fowls, all the fowls of the world. Et les oiseaux et toute autre créature qui survole la terre. And the things that are, if you read the whole Bible, you will find that even the authority over the sun, the moon, the stars, and everything that is in the sky. Et si vous lisez la Bible avec caution, vous allez comprendre aussi qu'il avait l'autorité sur le soleil, la lune et les étoiles. So, when we examine these things profoundly, alors, quand nous examinons ces choses en profondeur, the purpose of God for man was let man now be the one to take care of the planet Earth. L'objectif de Dieu, c'était pour que l'homme puisse prendre soin et s'occuper de la planète Terre. The manager, let him manage it. Donc, c'est lui le gérant, c'est lui qui va gérer la Terre. According to our own ways of doing things. Selon la manière de Dieu, la manière dont Dieu fait les choses.
when he said our own way means the ways of the Father, the Son and the Holy Spirit. Donc quand Dieu dit de notre manière, c'est-à-dire les manières ou les voies de Dieu le Père, du Fils et de le Saint-Esprit. So that was the purpose of God. Alors cela était l'objectif de Dieu. For man here on earth. Pour l'homme ici sur terre. But God gave an instruction that is so important. Alors Dieu avait donné des une instruction qui était très importante. And that instructions and what he did will determine whether man will live forever here on earth or will have a short life. Et ces instructions vont maintenant déterminer si l'homme va vivre ici ou éternellement ou s'il aura la vie éternelle. Physically speaking. Donc physiquement. Then also it will determine whether man will always be in connection, in fellowship with God or not. Et ça va aussi déterminer si l'homme sera en communion avec Dieu ou pas. And that is the mystery of the tree that God calls the tree of the knowledge of good and evil. Et voilà alors le mystère que Dieu avait mis à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And then another tree that he called the tree of life. Et notre arbre que Dieu avait appelé donc l'arbre de vie, de la vie. The tree of the knowledge of good and evil determines the moment somebody takes it or eats of its fruit, a human being eats of the fruit of that tree, immediately he is disconnected from God. Donc, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand l'homme mangera de ses fruits, il est totalement déconnecté de la présence de Dieu. He may still continue to physically live here on earth. Il peut continuer d'exister ici sur terre physiquement. But all the plan that God had originally is totally foiled for him. Mais le plan que Dieu avait pour lui originellement est totalement anéanti. His authority over the entire planet has been tempered. Alors son reduced even. Son autorité, donc, qui était sur la terre que Dieu l'avait donnée, cela a été diminué. And many other consequences for that. Et beaucoup d'autres conséquences pour ça. His abilities to become, to be really a manager of this planet became reduced. Donc, les capacités que Dieu l'avait données de pouvoir gérer cette terre ont aussi été diminuées. But if man, mais si l'homme obeyed God, avait obéi à Dieu, not to eat of that the tree of the knowledge of good and evil, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, but had time to go and eat the fruit of the tree of life. Mais s'il avait le temps de pouvoir manger de l'arbre de vie, number one, premièrement, he could have never been separated from God. Il ne pourrait jamais être séparé de Dieu. He could have lived also here on earth forever. Il pouvait aussi vivre ici sur terre éternellement. He could never tested the physical death. Il n'allait pas même goûter de la mort physique. That means the separation or disintegration of his body from his inner man. C'est-à-dire la séparation ou la désintégration de son corps et son homme intérieur. That could have never happened. Cela ne pourra jamais se passer. And the plan God had for him, et le plan que Dieu avait pour lui, to, for this planet, pour cette planète, could have been harmoniously accomplished and man could have lived in a time of a Sabbath or rest after he had done everything for eternity. Donc cela pouvait s'accomplir d'une manière merveilleuse et l'homme allait même vivre dans le repos pour éternité. That was the mind of God. Cela était la pensée de Dieu.
But something happened. Mais quelque chose s'est passé. Unfortunately, malheureusement, man, instead of going to eat the fruit of the tree of life, au lieu que l'homme puisse manger du fruit de l'arbre de vie, because God never told him not to eat of that fruit. Parce que Dieu n'avait pas empêché à l'homme de pouvoir manger de l'arbre de vie. Because the commandment of God was eat of all the trees that are in the garden, including the tree of life. Parce que le commandement de Dieu, c'est de pouvoir manger de tous les fruits de tout arbre qui se trouve dans les jardins, même aussi l'arbre de vie. But the only tree that you should not eat the fruit of was the tree of the knowledge of good and evil. Mais un arbre qu'il ne devait pas manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Because it separated man completely from God. That is what is called death. So spiritual death, a separation, total separation from God. Donc parce que cela va, cela égale à la séparation donc spirituelle de Dieu, donc la mort spirituelle, la séparation de l'homme à Dieu, et Dieu. And the word of God tells us that those who separate them far from God, they perish. Et la Bible nous dit que ceux qui se séparent de Dieu, ils périssent. Because we do not have life in ourselves. Our life and our sense of living and what we have to do, what we have to come, is proceeding from our God. And we have to be branched and totally connected with him. C'est parce que la vie que nous menons, nous n'avons pas de vie par nous-mêmes, mais la vie que nous menons vient de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous connecter à Dieu pour avoir la vie. We are like the bulb of electricity. Donc nous sommes comme l'ampoule d'électricité. The bulb by itself, it does not have the light. L'ampoule seule par lui-même n'a pas de lumière. But the light comes in it. It has the ability to convert the power that comes through when it is connected to the power source. And the power that comes from that source is the one that is converted in the bulb into light. Mais cette ampoule a le pouvoir ou la capacité de pouvoir convertir l'énergie qui sort de la source afin que cela donne des lumières. So, the moment you disconnect you plug out the bulb from the source of power, immediately there is darkness. The bulb cannot shine any longer. Alors, dès que vous déconnectez maintenant la source de l'ampoule, maintenant l'ampoule n'aura plus de lumière et ça devient sombre. So that is how human being was made by God. C'est la manière donc que l'homme ou l'être humain a été créé par Dieu. For him to be able to fulfill the purpose of his life here in the universe, he must be connected forever with God. Pour que l'homme puisse accomplir les objectifs donc que Dieu l'a créé dans cet univers, il doit être connecté à Dieu. So, unfortunately, the accident came. Alors malheureusement, l'accident arrive. But God proves his love and his grace for us. Mais Dieu est en train de montrer son amour et sa grâce pour nous. When our parent, our first parent, Adam and Eve, in whom, as we saw last time, we were all as mankind embodied in their loins. Alors, quand nos premiers parents, Adam et Ève, dans lesquels nous tous, l'humanité, était mise ensemble, in their loins, dans leurs reins, when they sinned, quand ils ont péché, we also, the whole mankind that was in their loins, sinned with them. Nous aussi, l'humanité qui se trouvait dans leurs reins aussi, ont péché avec eux. Everything that Adam and Eve lost, the whole mankind that was in their loins lost also all of that.
tout ce qui se trouvait dans en Adam et Ève aussi, mais tout ce qui était perdu aussi dans nous, l'humanité qui était dans les reins aussi était perdu. And that is why we are born having lost the original plan of God that was meant for our lives. C'est pour cela que on a perdu aussi le plan originel que Dieu avait pour nos vies. But God, mais Dieu, in his grace, dans sa grâce, he saw that if we were not deceived, il voyait que si on n'était pas séduit, if the devil, the archangel called Lucifer before and now, because of his sin and his rebellion, is called the devil. Si à cause le diable, l'archange, donc Satan, qui avant était appelé Lucifer, mais à cause de son péché, maintenant nous le connaissons comme Satan. If him, he did not deceive Eve. S'il n'avait pas trompé ou séduit Eve. And if Adam also did not follow the seduction or the deception of the devil through his wife. Et si aussi Adam n'avait pas suivi à la séduction du diable à travers sa femme, things could have not been the way they are today. Les choses ne seront pas comme ils sont aujourd'hui. And that is why God had pity of mankind. C'est pour cela que Dieu avait pitié de l'être humain. Because they fell into sin ignorantly. And just like with a lot of, how can I put it, the word that is... Innocence. Innocence, exactly, that is the word. With all innocence. But for them, they thought, hey, what the serpent is saying is true. So with all that innocence, they did that. It was not really something that originated from themselves. And that is why God has... some circumstance attenuant. Circumstance. In his judgment, he judges mankind less than the angels. Yeah. Donc l'homme, dans son innocence, est tombé donc dans les péchés, parce qu'il n'avait pas en lui de pouvoir tomber dans les péchés, parce qu'il voyait que ce que les serpents avaient dit, donc ça avait des sens, mais il ne savait pas que c'est une séduction. C'est pour cela que l'homme est jugé moins sévèrement que les anges. Mm-hmm. That's true. God judged severely Lucifer and all the other angels that followed him in his folly. Alors, Dieu avait sévèrement jugé Lucifer et les autres anges qui l'ont suivi dans sa folie et rébellion. One of the signs of that severity of God in judging the angels is that those angels who have sinned, they have no forgiveness from God. L'une de ces jugements sévères que les anges ont reçus de Dieu de pouvoir séduire l'homme, c'est que les anges n'ont pas de pardon ou n'ont point de pardon de Dieu. We see that in the book of Hebrews chapter 2, verse 15 and 16. Nous le voyons dans le livre d'Hébreux chapitre 2, du verset 15 au verset 16. When God says that for sure, Jesus didn't come to aid or to help the angels, but he came to help the descendant of Abraham. That means mankind. Nous voyons que Jésus-Christ n'était pas venu pour secourir les anges, mais pour secourir l'être humain qui sont les descendants d'Abraham. Secourir de l'être humain qui sont les descendants d'Abraham. Uh-huh. Oui. So we see that in the God's judgment is very. Is God, our God is the righteous judge. Alors, nous voyons que notre Dieu, c'est lui le juste juge. Man sinned by innocence. L'homme a péché par innocence. But the angel sinned by willingness, by knowledge. Mais les anges, ils ont péché en connaissance.
consciemment. So, we want to thank God for His grace and mercy. Alors nous voulons remercier Dieu pour sa miséricorde, pour sa grâce et pour sa miséricorde. So, last Sunday we said, alors le dimanche dernier nous avons dit, when our parents, Adam and Eve, sinned, quand nos parents Adam et Ève ont péché, automatically, automatiquement they were disconnected ils from étaient God. Déconnectés de Dieu. And they ran away even from the presence of God. Et ils ont fui de la présence de Dieu. You see, separation. Donc la séparation. And they were not able to approach God any longer. Et ils n'étaient pas capables de pouvoir s'approcher de Dieu. Because they lost the glory of God, they lost the spirit of God that connected them directly with God. Parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu et aussi l'esprit de Dieu qui les connectait directement vers Dieu. So they were like people who have fallen from the tree, or from the aeroplane. All that they had has been burned, and then they are only saved just as they are, without anything else that belonged to them. Donc ils étaient coupés, donc ils étaient comme des gens qui sont tombés de l'arbre ou de l'avion. Tout ce qu'ils avaient comme source, tout cela était retranché ou coupé. But the glory, the God's grace and God's pitiful heart for his people, for human beings, made him to come up with the best plan to redeem man. Alors, la grâce de Dieu et son amour, cela lui a fait de pouvoir maintenant développer un plan de racheter l'homme. Because by man being separated from God, he lost the very essence of the life that we want to talk about. It is called the eternal life. Parce que maintenant la désintégration de l'homme à Dieu, désintégration de l'homme à Dieu, cela lui a maintenant fait qu'il puisse perdre la vie éternelle. Uh-huh. Oui. Now, the life eternal, what is it? Alors, c'est quoi la vie éternelle? Because you know, in the Bible, that word is many times spoken about. Parce que dans la Bible, nous voyons que ce mot ou cette parole, la vie éternelle, et parler de plusieurs fois. Especially in the New Testament. Surtout dans le Nouveau Testament. It is cited a hundred and hundreds of times. Alors cela est cité ou mentionné plusieurs fois. And we are told, have it. Et on nous dit qu'on doit avoir cette vie éternelle. And they tell us, when you don't have it, this is what will happen to you. Et on nous dit que si vous manquez cette vie éternelle, voici ce qui va se passer envers vous. If you die, si vous mourrez, you will go to hell. Vous irez au séjour de mort. Because you don't have the eternal life. Parce que vous manquez la vie éternelle. But if you have the life eternal, mais si vous avez la vie éternelle, even if you die, même si vous mourrez, number one, premièrement, you'll not go to hell. Vous n'irez plus au séjour de mort. Number two, deuxièmement, you'll go to stay with God. Vous irez habiter ou demeurer avec Dieu. And on the day of rapture, et au jour de l'enlèvement, all those who have gone to rest with God, who died in Christ, having the eternal life. Tous ceux qui sont morts en Christ et qui sont allés demeurer avec Jésus-Christ. So they will come back. Ils vont rentrer. And re-appropriating their bodies, physical bodies. Et maintenant, leur corps physique sera connecté avec eux. Transformed. Ça sera aussi transformé. Becoming glorious, deviendra glorieux, and together with those who are in Christ who will still be alive, they will be all caught up in heaven. Et ensemble avec ceux qui existent, qui sont encore vivants, et ceux qui sont en Christ et vivants seront enlevés. And 7 years after that,
Et 7 ans après cela, they will come back here on earth with Christ. Ils vont rentrer ici encore avec Christ sur terre. They will put an end to the folly of Antichrist. Ils vont mettre une fin à la folie de l'Antichrist. And to all his government and his existence here on planet Earth. Et tous ses règles et gouvernements et son existence ici sur terre. And Jesus will install the thousand or the millennium rule of God here on earth. Et Jésus-Christ va restaurer donc le règne de 1000 ans ici sur terre. And those who have been raptured will come back with Christ Jesus to rule with him here. Et ceux qui étaient enlevés, ils vont rentrer maintenant avec Jésus-Christ de pouvoir régner avec lui sur terre. All that because they have acquired during their stay here on earth, they acquired the promise of the eternal life. Et c'est tout parce que pendant qu'ils étaient ici sur terre, ils ont accueilli donc la promesse de la vie éternelle. And they kept it until they died. Et ils les ont gardés jusqu'à la mort. They died physically. Ils ont mouru physiquement. Having faith. Ils avaient la foi. And walking according to what the word of God says. Et ils marchaient selon ce que la parole de Dieu dit. And God granted them the promise of eternal life. Et Dieu les a donné et il a accompli sa promesse de la vie éternelle. And it is not the end is not in the millennium rule of Christ. Et la fin, ce n'est pas dans le 1000 ans de règne de Christ. After that millennium. Après maintenant ce règne de 1000 ans. The word of God tells us very clearly. La parole de Dieu nous dit clairement that all those who are found here under the government of Antichrist, having the mark of Antichrist, all of them, they will be gathered together and judged forever, including the devil and the false prophet, and all will be thrown to the lake of fire, where they will be tormented forever, eternity. Et la Bible nous dit clairement que maintenant, ceux qui ont reçu la marque de la bête, les faux prophètes, ils seront tous jetés dans les temps des faits avec les faux prophètes et le diable lui-même. But those who did not receive that mark, mais ceux qui n'ont pas reçu cette marque, now, we are going to talk about these things in a very detailed way because we are living in the period where Antichrist is ready to start implementing that mark over people. Alors nous allons observer ça vraiment très bien parce que nous vivons dans une période là où l'Antichrist veut maintenant exécuter ou effectuer ses plans sur le peuple mondain. So we have now to rise and warn all the children of God and we have to pray for God to preserve us from such a type of wickedness. Alors nous devons nous lever et prier pour les enfants de Dieu afin que Dieu puisse nous protéger tous de toutes ces sortes de méchanceté. After those will be thrown to the lake of fire. Après, maintenant, ceux qui ont reçu la marque de la bête seront précipités dans les temps des faits. The promise of God to have a new earth and a new heaven will be fulfilled. La promesse de Dieu d'avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre sera accomplie. This earth will be taken away like and put like you roll a mat. It will be rolled and even the heaven that we see today will be rolled together and disappear according to the word of God. Donc ce monde que vous voyez cela sera donc enrôlé donc jusque comme vous enrôlez une serviette ou un papier et cela va disparaître comme tel que la parole de Dieu nous dit. You read Revelation chapter 20 and 21, you'll find that. Vous allez trouver cette vérité dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20 et chapitre 21. So now, alors maintenant,
What will happen to those who are in Christ Jesus? Qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont en Christ Jésus? Because they have eternal life. Parce qu'ils ont la vie éternelle. God first of all will create a new earth. Dieu va d'abord créer une nouvelle terre. A new heaven. Un nouveau ciel. The old one disappeared. Donc l'ancienne terre va disparaître. And the old heaven disappeared. Et aussi l'ancien ciel aussi va disparaître. And God have told us. Et Dieu nous a dit. Those will because of their eternal life in them. À cause de maintenant la vie éternelle qui se trouve en ceux qui sont en Christ. Now they will live with God forever. Ils vont maintenant demeurer, exister et vivre avec Dieu here, éternellement. On the new earth that will replace the old one here. Ici sur la nouvelle terre qui va remplacer l'ancienne terre. And God, just like in the old earth, in the beginning when He created it, He also made, planted a garden. Called the Garden of Eden, where he put man so that man can be in good conditions there. Alors nous voyons aussi dans cette terre, quand ça a été créé, Dieu avait fait ou planté un jardin qui s'appelait le Jardin d'Eden, là où maintenant l'homme, Adam, vivait. In good conditions. Dans de bonnes conditions. Fantastic. Des conditions fantastiques. With the authority and the power. Avec l'autorité et le pouvoir. And abilities that are extra human of today. Donc des capacités qui sont donc super humains, ce qu'on appelle, on va appeler super humains aujourd'hui. So God. In that new time, will also now bring a place, a thing that is preparing. It will come from heaven and come on the new earth. And that is what is called New Jerusalem. Alors, Dieu maintenant, dans ces temps, va amener maintenant une nouvelle existence, donc ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. It will live here on this planet, on a new planet Earth that will be created by God. Cela maintenant va venir exister sur la nouvelle planète Terre que Dieu a créée. And as you read the description of that, there will be no sun to give light during the day, no moon and stars to give light during night. Alors, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous verrez qu'il n'y aura plus de soleil pour donner la lumière pendant le jour et ni une lune pour donner la lumière pendant la nuit. God himself will be shining with us, on us. We will live in a existence that we have. We can't even fathom it now because it is beyond our understanding. Alors, Dieu lui-même sera la lumière. Nous allons vivre dans une existence que nous-mêmes, nous ne pouvons pas décrire parce que cela surpasse notre intelligence et notre compréhension. And we will always be with him. Et nous serons toujours avec lui. And him with us. Et lui avec nous. Forever. Pour à jamais. In eternity. En éternité. In such a type of délice. Delight. Donc dans toute forme de délices, nous serons ensemble avec Dieu. Forever. À jamais. And this is as a fruit of acquiring the eternal life. Et cela, c'est un fruit d'acquérir la vie éternelle. So, what eternal life is all about. Alors, c'est quoi ce qui concerne la vie éternelle? Because I want to stop here so that next Sunday we continue from there because there are a lot of things that we need to talk about according this about this life eternal. Alors, maintenant, j'aimerais arrêter ici parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va discuter à propos de la vie éternelle. It is the life that connects our
inner man from the human spirit connects us totally to God and helps us to have eternally consciousness or living in the consciousness of God. Donc c'est la vie qui connecte notre homme intérieur à Dieu, qui nous donne aussi la conscience ou la connaissance de Dieu. Mm-hmm. Today we have that eternal life. Aujourd'hui, nous avons cette vie éternelle. All those who have received Jesus, tous ceux qui ont reçu Jésus as Lord and Savior, comme Seigneur et Sauveur. But we cannot, we do not get the experience the or how can I put it? We don't test the experiencely the goodness of that consciousness of being united with God. Mais nous ne goûtons pas donc l'expérience de cette bonté ou de cette bonté de pouvoir être connecté à Dieu. In fullness. Donc dans sa complétion. It is just a glimpse. C'est là juste et seulement un donc un moment, donc un moment. Oui. Why? Pourquoi? Because of the sinful nature that has wrapped all our human, our members, our everything. C'est parce que cette nature pécheresse qui se trouve en nous, cela nous a aveuglés. But on the day of the rapture. Mais au jour de l'enlèvement. The word of God that we have been reading with you tells us in 1 Corinthians chapter 15. La parole de Dieu, donc, qu'on a lu ensemble avec vous, nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 that that nature, that sinful nature, will be plucked out from those who are ready, who have the eternal life. Cette nature pécheresse sera enlevée de ceux qui ont la vie éternelle. And then all of a sudden, now the nature of God, of let me put it this way, the nature of the tree of life, which is the nature of Christ in his spirituality, will be imparted in us. And that one will make us now. You see, when you get saved, you cry, Abba, Father. You feel something that you have never felt before. Donc dans ces temps, quand Jésus-Christ, au jour de l'enlèvement, donc la vie éternelle de Jésus-Christ, cela sera nous transmise. C'est pourquoi quand vous êtes né de nouveau, vous criez Abba Père et vous sentez la joie au-dedans de vous. But that consciousness is just a glimpse that we feel mais, when we get saved. Mais cette connaissance, c'est juste un moment que nous sentons ou nous connaissons quand on est né de nouveau. Why? Pourquoi? Because of the presence of the sinful nature in us. À cause de la présence de la nature pécheresse qui se trouve en nous. But when that sinful nature will be plucked out from us. Mais quand maintenant cette nature pécheresse cela sera nous enlevée. By the power of the resurrection and the power of the rapture. Par la puissance de la résurrection et de l'enlèvement. And then now the nature of Christ will be imparted in us. Et maintenant la nature de Christ cela sera nous transmise. We will see the differently and it will be a great discovery of newness of life and consciousness of the life in God. Cela maintenant va nous donner une nouvelle manière de pouvoir percevoir des choses et ça va nous donner aussi une connaissance nouvelle en Christ. Brethren, chers frères et sœurs, words of a human being cannot lack from me to express that type of delight that we will see that time, that in a twinkling of an eye.
Donc les paroles d'un être humain ne peuvent pas décrire la joie que nous allons expérimenter donc dans un clin d'œil à ces moments. So that is why. C'est pour cela que seek for that eternal life. Cherchez cette vie éternelle. Already. Déjà. To conclude. Pour terminer. In John, 1 John chapter 5 verse 12. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 John chapter 5. 1 Jean chapitre 5. And verse 12. Et au verset 12. We read the following. It says, he who has the Son of God has life. That means life eternal. Life, and I have on in my Bible, on the word life, I have a footnote, and that footnote is telling me that is the life, that means the life eternal. Donc, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mm-hmm. He who has the Son of God has life eternal. He who does not have the Son of God does not have life eternal. Donc, verset 12 qui dit, c'est celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. The life we are talking about is mainly, first of all, the eternal life. La vie dans laquelle nous parlons, c'est d'abord la vie éternelle. That transcends the physical life. Cela surpasse la vie physique. So we'll talk about that next time. Alors, cela nous allons parler de ça la semaine prochaine. Alors, en conclusion, my brother, my sister, mon frère et ma sœur, the moment you received Jesus, le moment où vous avez reçu Jésus, God has empowered you. Dieu vous a donné la puissance with his Holy Spirit, avec son Saint-Esprit, that came into your heart, qui est venu dans ton cœur, giving to you the consciousness, et il t'a donné la connaissance, la conscience, oui, that you are the child of God. La conscience que vous êtes l'enfant de Dieu. It is not a wish or whatever. It is a reality. Ce n'est pas juste un souhait, mais c'est une réalité. In your spirit, mind. Dans votre esprit et dans vos pensées. And it tells you in Romans chapter 8, it tells you all kind of things. Et en Romains chapitre 8, il vous dit toutes sortes de choses. Verse 9 says, if you do not have the Spirit of Christ, you are not His. Verset 9 dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne l'appartient pas. Because all those who have received Jesus, God sends the Spirit of His Son in our hearts. Parce que tous ceux qui ont le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, donc Dieu envoie l'Esprit de son Fils en nous. And that Spirit brings the eternal life. Et cet esprit maintenant amène la vie éternelle. The consciousness that we are children of God. La conscience et la connaissance que nous sommes les enfants de Dieu. That we are connected with him. Que nous sommes connectés avec lui. That we are not just orphans. On n'est pas juste des orphelins. It is a spirit of adoption. C'est un esprit d'adoption. Not a physical adoption that is very shallow, because people always make difference. Is it really your biologic father or biologic son or adopted son? And when you said adopted, in the human mind, the adopted is less. But in God, adoption is equal to the one who is Jesus himself, who proceeds from God. So we have received the Spirit of Christ, which is the spirit of adoption, makes us to be really children of God. Entirely. Donc cet esprit d'adoption, cela vient de Dieu, ce n'est pas comme l'adoption physique qui n'est pas profond, mais c'est l'adoption spirituelle qui vient de Dieu, qui est comme donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que nous sommes aussi les fils de Dieu. Alors maintenant nous avons ici cette adoption qui vient de
qui vient de Dieu. So that the Spirit brings, carry in us, it to us, the life eternal. Alors cet esprit maintenant nous porte la vie éternelle. Connects us, our spirit, into the consciousness of the reality of God, the true God. Cela maintenant connecte nos esprits à la conscience de la réalité de Dieu. God is a spirit and we are spirit in our spirit man. Alors Dieu est esprit et nous aussi nous sommes esprits dans notre être esprit. Then now our spirit understand the reality of the spirit God. Alors notre esprit maintenant développe la compréhension de Dieu qui est esprit. And we draw now every life, everything, every blessing from that connection. Et nous tirons toute vie et toute bénédiction de cette connexion from God eternal. De Dieu qui est éternel. It's very important, very powerful. Cela est très important aussi, très puissant. Something that you cannot get by money, by whatever. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas tirer ou avoir de l'argent. We are going to see that, how to acquire the life eternal. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons acquérir just la vie éternelle. In believing in Jesus. Jusque en croyant en Jésus. And receive him. Recevoir aussi d'être votre sauveur and your Lord, et votre Seigneur to whom you give all your life to lead you. À qui vous donnez votre vie de pouvoir vous diriger. Then you receive that. Alors vous le recevez. You may not get all the glimpses that I am telling you of that, but you will have some assurance. Vous n'allez pas peut-être avoir toute une image claire de tout ce qu'on est en train de parler, mais vous aurez l'assurance. But the day of the rapture, mais au jour de l'enlèvement, when the that covering of the sinful nature will be removed, quand maintenant cette voile de la nature pécheresse sera enlevée, you are going to glorify God and thank him in your spirit the way you have never done before. Vous allez glorifier Dieu et lui remercier dans votre esprit d'une manière dont vous n'avez jamais le remercié. Because you will be entering a consciousness that you have never seen before. Parce que vous allez entrer dans une conscience que vous n'avez jamais vue. And it has all the promises. Et cela contient toutes les promesses. He says, if we are sons, c'est-à-dire, si nous sommes des fils God, ou les enfants de Dieu, nous sommes aussi des co-héritiers de Dieu. We are heirs of God. Donc nous sommes des héritiers de Dieu. And co-heirs with Christ. Et aussi des co-héritiers avec Christ. So the dimension of understanding of those words will come later on. We'll talk about that. Alors la dimension de la compréhension de ces paroles vont venir après quand nous allons observer because prochainement. Those are the things that we are going to live in the millennium rule and in the eternal rule of God. Parce que ce sont les choses qu'on va regarder dans le mille ans, le règne de mille ans de Jésus-Christ et aussi maintenant dans le règne éternel de Dieu. So please, my brother, my sister. Alors, mon frère et ma sœur, you have received Jesus already. Vous avez déjà reçu Jésus-Christ. Do not let yourself be deceived like Eve and Adam were deceived. Ne vous laissez pas séduire comme Adam et Ève ont été séduits. Don't be deceived by the goodness or the glittering of the things of this world. Ne faut pas être séduit par les choses attirantes de ce monde. Because parce que these are passing. Tout cela passe. And they are just like a shadow. Et c'est juste comme une ombre. But the reality is in God. Mais la réalité se trouve en Dieu. Through Jesus Christ. À travers Jésus-Christ. Which we are going to see when we will be raptured. Qui nous allons observer quand nous serons enlevés. And in those rules of millennium and eternal rule. Et dans les mille ans règne de Jésus et après cela so le règne de keep Dieu. Your faith in Christ Jesus. Alors gardez votre foi en Jésus-Christ. Keep your obedience in the word of God. Gardez votre obéissance dans la parole de Dieu. Reject every temptation. Il faut rejeter à toute tentation. Remain with God. Restez avec Dieu. Be ready to suffer. Soyez any injustice. Soyez prêt de pouvoir souffrir toute injustice. Just to preserve.
juste pour préserver the promise of your eternal life. La promesse de votre vie éternelle. That is the treasure that we have. Voilà les trésors que nous avons. Those who have not yet given their life to Christ. Tous ceux qui n'ont pas encore donné if leur vie en Jésus. If you are listening to this message, si vous écoutez ce message, may the Spirit of God touch your heart. Que l'Esprit de Dieu touche votre cœur. I will call the man of God to come. Je vais appeler l'homme de Dieu de venir. He will lead you in a prayer that will connect you immediately to God. Il va vous diriger dans une prière qui va vous connecter déjà à Dieu. And you will become a child of God. Et vous deviendrez enfant de Dieu. Possessing the eternal life. Vous allez en possédant cette vie éternelle. That you are going to live fully after rapture. Que vous allez vivre en pleine vie après l'enlèvement. Now, if you believed in Jesus, but because of a lot of problems in this world, you backslid, come back. This man of God will pray for you, and God will reconnect himself back to you. Maintenant, si vous avez d'avant reçu Jésus-Christ, mais à cause des problèmes et des difficultés dans cette vie, vous avez rétrogradé, alors nous allons prier pour vous et l'homme de Dieu va aussi vous diriger dans la prière. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Man of God, please come and pray for us. Homme de Dieu, s'il vous plaît, venez et priez pour nous. Amen. Amen. Can we thank the Lord? Can we say, Lord, we thank you? Alors, disons, Père, nous te remercions. Indeed, we are blessed. Vraiment, nous sommes bénis. We thank God for that. Nous remercions Dieu pour ça. I want you to pray with me. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi. In response to this message of today. En réponse de ce message d'aujourd'hui. Say, Father, in the name of Jesus Christ. Dis, Père, dans le nom de Jésus Christ. I thank you. Je te remercie. For you love me so much. Car tu m'as beaucoup aimé. You are helping me. Tu m'aides. To understand. De pouvoir comprendre. That you always had good plans for my life. Que tu as toujours eu de bons objectifs et des plans pour ma vie. And how to live a good life on this planet. Et comment vivre une vie juste sur cette planète. Thank you. Merci. For helping me to understand. De pouvoir m'aider à comprendre. The first man you created. Que le premier homme que tu as créé. You desired. Tu as désiré him to live eternal life. Tu as désiré qu'il puisse vivre éternellement. And to have dominion. Et d'avoir la dominion. And all his seed. Et toute sa postérité. To live eternal life. De vivre aussi éternellement. But thank you. Mais merci. For helping me to understand. De m'avoir fait comprendre. That sin. Que le péché, disrupted that plan, cela avait détruit cet plan. Of man having eternal life, de l'homme d'avoir la vie éternelle. God, I come to you, Seigneur, je viens à toi. Thanking you, je te remercie. For you love me so much, parce que tu m'as beaucoup aimé. Because you created me in your likeness and image, car tu m'as créé dans ton image et ta ressemblance. And since man sinned in his innocence, et comme l'homme a péché dans son innocence, you did not want to lose him. Tu ne voulais pas lui perdre. I thank you, je te remercie, because parce que you. A devised plan of redemption. Tu as développé un plan de la rédemption. How I can come back to you. Comment est-ce que tu peux, nous pouvons rentrer chez toi? I thank you. Je te remercie. Because you did not judge me harshly. Parce que tu ne m'as pas jugé sévèrement. Like you judged Lucifer and the fallen angels. Comme tu as jugé Lucifer et les anges déchus. Because they acted with the knowledge. Parce qu'ils ont agi avec connaissance. But you saw my innocence. Mais tu as vu mon innocence. Thank you for your mercy. Merci pour ta miséricorde. Thank you, Lord. Merci. Because you love me so much. Parce que tu m'aimes beaucoup. I come to you. Je viens à toi.
thanking you, te remercier, because in this plan of redemption, parce que dans ce plan de la rédemption, you want me to be restored back to eternal life. Tu aimeras que je puisse être restauré à la vie éternelle. Man lost as a result of sin. Que l'homme avait perdu à cause du péché. But which has come through the Lord Jesus Christ. Mais cela est venu à travers le Seigneur Jésus Christ. By my the virtue of the salvation. Par vertu du salut, he gives each one of us, qu'il donne à chacun de nous, who acknowledges him as Lord and Savior, qui lui reconnaît comme Seigneur et Sauveur. Thank you, merci, because parce que you have helped me to understand, tu nous as aidé à comprendre, a glimpse, un moment of the eternal life. Et une partie de la vie éternelle that is coming in future. Qui arrive à l'avenir. I know, je sais, you have said, tu as dit, those who shall qualify, que tous ceux qui vont qualifier shall live with you forever, qui seront qualifiés vont vivre ensemble avec toi à jamais. In the millennium and in the age to come, dans les mille ans et aussi dans l'âge qui arrive. Lord, help me, alors Seigneur, aide-moi to realize this, de pouvoir réaliser cela, this great life, cette grande vie, in the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Holy Spirit, Saint-Esprit, help me, aide-moi, because I know, parce que je sais, Holy Spirit, Saint-Esprit, you have a part in my salvation, tu as une partie dans mon salut. When I believe in Jesus Christ, quand je crois en Jésus Christ, you revive my human spirit. Tu réveilles mon esprit humain. And you cause me to be conscious. Et tu, to have a consciousness. Et tu fais que je puisse être conscient of God in my life. Conscient de Dieu dans ma vie. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. I come to you. Je viens à toi. Asking you to help me. Que tu puisses m'aider. By your Holy Spirit, par ton Saint-Esprit, to see this consciousness of God, de voir cette conscience de Dieu, so that the Holy Spirit can help me, afin que le Saint-Esprit puisse m'aider, to live a holy life, de vivre une vie sainte, that I may be qualified, pour que je serai qualifié, to be raptured, d'être enlevé, because parce que the Holy Spirit himself, le Saint-Esprit lui-même, has the life of God, il a la vie de Dieu, which is able to be deposited in my spirit, qui est capable d'être transmise dans mon esprit, and cause me to be very conscious, et faire de moi d'être conscient of God, de Dieu, and help me, et aussi de m'aider, overcome every sin in my life, de vaincre tout péché dans ma vie, in the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus Christ. So, Lord, I come to you. Alors, Seigneur, je viens à toi. Acknowledging. Et aussi, je reconnais. That I am a sinner. Que je suis, j'ai péché. I sin now and then. Je pêche maintenant et parfois en avenir. Even when I am saved. Et même quand je suis né de nouveau. But I believe the Holy Spirit. Mais je crois que le Saint-Esprit. Who saved me. Qui m'a sauvé. Is able to work in my life. Il est capable de travailler dans ma vie. To expose every sin. De pouvoir dénoncer tout péché. That can disqualify me for this eternal life. Tout péché qui peut me disqualifier de cette vie éternelle. And help me to repent. Et aide-moi à repentir. I know. Je sais. You have said. Que tu as dit. If I'm not. Que si je ne suis pas. I do not possess the Holy Spirit, que si je n'ai pas le Saint-Esprit, at the time of my salvation, au moment de mon salut, in no way I do not belong to you. Alors je ne t'appartiens pas. Lord, search my life. Seigneur, que tu puisses sonder ma vie. I don't want to be out of your ways. Je ne veux pas être en dehors de tes voies. Holy Spirit, Saint-Esprit, I ask you to help me. Je prie que tu puisses m'aider. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. And I come to you, et je viens à toi, acknowledging, et je reconnais, I want at this point, que j'aimerais à ce point, to pray together, de prier, for you who have backslidden or discouraged in this journey, pour tous ceux qui ont rétrogradé ou ont été découragés dans cette marche, because God is speaking and he's serious about what
He wants us to do to enter into eternal life. Parce que Dieu parle et il est sérieux de ce qu'il veut que nous fassions donc pour entrer dans la vie éternelle. And he has spoken, if we do not qualify for that eternal life, hell is ready. Alors il a parlé et il sait, il a dit que si nous on n'est pas qualifié pour cette vie éternelle, alors le séjour de mort est prêt de nous accueillir. So say, Father, in the name of Jesus. Alors disons, Père, dans le nom de Jésus. I've heard your word. J'ai écouté ta parole. That the eternal life is a reality. Que la vie éternelle est une réalité. And you have described. Et tu l'as décrit. How that eternal life will be. Comment est-ce que cette vie éternelle sera? The glory of God. La gloire de Dieu. In that new life. Dans cette vie nouvelle. Lord, being our light. Seigneur, toi tu seras notre lumière. And our glory. Et notre gloire. New earth and heaven. Et une nouvelle terre et un nouveau ciel. What a joyful life. Quelle joie, quelle vie joyeuse that you have helped us today to understand. Que tu nous as aidé aujourd'hui à de comprendre. But I know, mais je sais, because of lack of knowledge, à cause de manque de connaissances, I took my salvation for granted. J'ai pris mon salut à la légère. I got mixed up on the way. J'ai été en confusion sur le chemin. I valued the pleasures of this world. J'ai placé la valeur sur les plaisirs de ce monde. More important than that eternal life. Plus important que cette vie éternelle. But now, mais maintenant, after having heard the description of that life, après avoir écouté la description de cette vie, I've discovered I missed a lot. J'ai découvert que j'ai beaucoup raté. But there's hope. Mais il y a de l'espérance. I ask you to forgive me. Je prie que tu puisses me Any pardonner. Carelessness que toute vie sans regard of life I lived, de cette vie que j'ai menée, Any sin, que tout péché, forgive me. Pardonne-moi. And cleanse me. Et purifie-moi. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. Holy Spirit. Saint-Esprit. Touch again my human spirit. Que tu puisses toucher mon esprit humain. And strengthen me. Et que tu puisses me fortifier. That I may have consciousness of God. Afin que j'aurai la conscience de Dieu. Never to leave him. De ne pas l'abandonner. To cling to him. De pouvoir me mettre tout près de lui. Because I want to reign with Christ. Car je vais régner avec Christ. And to enjoy that life. Et de pouvoir goûter de cette vie en joie. So Holy Spirit, touch my life. Alors Saint-Esprit, que tu puisses toucher ma and vie. And strengthen me. Que tu puisses me fortifier. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. I want to pray also finally. J'aimerais aussi finalement prier. With the ones who have never acknowledged the Lord. Pour ceux qui n'ont jamais reconnu Jésus as their savior, comme leur Seigneur et Sauveur. Because it is only the children of God, parce que c'est seulement les enfants de Dieu, bathed by the power of the Holy Spirit, nés par le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, coming into their spirit, their human spirit, quand le Saint-Esprit entre dans leur esprit humain, and the blood of Jesus, et le sang de Jésus, washing their sins, laver leurs péchés, as they acknowledge them as their Lord and Savior. Pendant qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Can you say, Father, in the name of Jesus? Dites, Père, dans le nom de Jésus. I've heard your word. J'ai écouté ta parole. And I know. Et je sais. That you are coming. Que ton avènement. To those who are born again, tu viens pour ceux qui sont nés de nouveau, acknowledge you as their Lord and Savior, et qui te reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur, who will have that eternal life, qui auront la vie éternelle. I acknowledge, nous, et je reconnais, after having your word, après avoir écouté ta parole, how your good plan, comment est-ce que ton plan, you had for my life, le bon plan que tu avais pour ma vie, but because of sin, mais à cause de péché, man fell, l'homme est tombé, but Jesus, you died for my salvation, mais Seigneur Jésus, tu es mort pour mon salut, by your shed blood, par ton sang versé, to forgive me my sins, de pouvoir pardonner mes péchés. Acknowledge, alors je reconnais, you as my Lord and Savior, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur, the sacrifice you made to save my life, le sacrifice que tu as fait pour sauver ma vie, and today I confess with my mouth, alors aujourd'hui je confesse avec ma bouche, you are my Savior and Lord, que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Hold
Holy Spirit, Saint-Esprit, reconnect me back to God. Que tu puisses me reconnecter à Dieu. I am spiritually separated. Spirituellement, je suis séparé. But now, mais maintenant, Holy Spirit, Saint-Esprit, touch my human spirit. Touche mon esprit humain. And reconnect me to God. Et reconnecte-moi à Dieu. That I shall draw life and power. Afin que je puisse tirer la vie et la puissance from God by His Spirit. De Dieu par à travers son esprit. And be conscious. And have the consciousness of God. Et aussi avoir la conscience de Dieu. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Until Jesus comes to rapture me. Jusqu'à ce que Jésus vienne de m'enlever. Holy Spirit, guide me from now. Saint-Esprit, guide-moi à partir de maintenant. And help me to be qualified for rapture. Et aide-moi à être qualifié pour and l'enlèvement. To have faith. Et d'avoir la foi. And to cling to you. Et de pouvoir m'attacher à toi. Not to compromise with the sin. De ne pas compromettre avec le péché. Thank you for saving me. Et merci de m'avoir sauvé. And writing my name. Et écrire mon nom. In the book of life. Dans le livre de vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Japhet Oyoko. Merci beaucoup, Pastor Japhet Oyoko. For such a powerful prayer. Pour une telle prière puissante. And now we want to seal this message. Alors, nous voulons maintenant sceller ce message by the Holy Meal. Avec le repas saint. We want to read again John chapter 6. Nous voulons encore lire Jean chapitre 6. And two or three verses that are very important. Et deux ou trois versets qui sont très importants. In verse 53, dans le verset 53, the word of God says, la parole de Dieu dit, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Now, first of all, he's addressing people who are living. They are not dead. D'abord, il est en train de parler ou adresser aux gens qui sont vivants. Ils ne sont pas morts. But why should he say that if they don't eat of his flesh and they don't drink of his blood, they will not have life in themselves while they are living? Mais pourquoi il doit dire que s'ils ne mangent pas de sa chair et s'ils ne boivent pas de son sang, ils ne vivront pas pendant qu'ils sont vivants? So, we understand that the life Jesus is talking about here. Alors nous comprenons que la vie dont Jésus est en train de parler ici is not the life that the body has. Ce n'est pas la vie que le corps contient. It is not that life that binds the physical body and the inner man. Ce n'est pas cette vie qui est en train de lier le corps physique et l'homme intérieur. Because these people, they were not disintegrated. Parce que ces gens n'étaient pas désintégrés ou séparés de leur corps. They were not dead in their physical body. Ils n'étaient pas morts physiquement. They were living. Ils vivaient. But Jesus is telling them. Mais Jésus-Christ le dit. Unless they eat of his flesh and drink of his blood, qu'à moins qu'ils mangent de sa chair et boivent de son sang, they will not have life in them. Ils manqueront de la vie. So en eux. This life is the eternal life. Alors cette vie, c'est la vie éternelle. The one that we have just spoken in the message. Cette vie dont on a déjà parlé dans les messages. Powerful life. Et une vie très puissante. That makes you that even if you are disintegrated, qui vous fait que même si vous êtes désintégré ou séparé, your body is separated from your inner man, même si votre corps est séparé de votre homme intérieur, and the body is buried, et le corps est enseveli, because the people say that you are dead, parce que les gens disent que vous êtes mort, but your inner man, mais votre homme intérieur is living. Cela continue à vivre. Because it is immortal. Parce que cela est immortel. The problem, where is it going? Alors maintenant le problème, où va-t-il ton homme intérieur? That is the place where now this life is intervening. Alors maintenant nous voyons que c'est là où la vie éternelle intervient. Because if you have the life eternal in you. Parce que si vous avez la vie éternelle en vous, when your body is buried by death,
Quand votre corps est enterré ou enseveli à cause de la mort, your inner man, votre homme intérieur, goes straight to God's cela va directement à Dieu. And enter into the consciousness of God. Et ça entre dans la conscience de Dieu. And you live the paradise of God. Et vous vivez maintenant le paradis de Dieu. Until the day of the rapture. Jusqu'au jour de l'enlèvement. You come back now. Vous revenez maintenant. To get back your body. De pouvoir restaurer votre corps. That was buried. Qui a été enseveli. But it is resurrected. Maintenant cela est ressuscité. We are going to talk about the resurrection here. Nous allons parler de la résurrection ici. Your body is remade. Alors maintenant, votre corps est refait. And it is even beautified. Et aussi cela, on ajoute de la beauté sur votre corps. It becomes glorious. Ça devient glorieux. That, like that of Jesus. Comme celle de Jésus. And it is passed from mortality to immortality. Cela maintenant est transformé de la mortalité jusqu'à l'immortalité. It is connected to your inner man. Et cela est connecté à votre homme intérieur. And you live forever. Et maintenant vous vivez éternellement. With God. Avec Dieu. Hallelujah. Hallelujah. So this is why we need the life eternal in us. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la vie éternelle en nous. But if you don't have that life eternal. Mais si vous manquez cette vie éternelle. When you die. Quand vous mourrez. Your body is buried. Votre corps est enseveli. Your inner man goes straight to the place of torment. Votre homme intérieur va directement au lieu de tourment. What we call Hades or hell. Ce qu'on appelle le séjour de mort ou l'enfer. It is a waiting place. C'est une salle d'attente. To wait for the last judgment. De pouvoir attendre le jugement final. For you to be thrown to the lake of fire. Pour vous d'être précipité dans les temps de feu. Where you are going to suffer for eternity. Là où vous allez souffrir pour éternité. Without stopping. Sans cesse. So choose yourself. Alors choisissez pour vous-même. Where do you want to go? Là où est-ce que vous voulez partir? So acquire, if you want to escape hell. Alors si vous voulez échapper l'enfer. And eternal damnation. Et aussi la condamnation éternelle. Then you choose to receive life eternal. Alors choisissez d'avoir la vie éternelle. Verse 54. Verset 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah. In the day of rapture. Au jour de l'enlèvement, all those who died having the eternal life, tous ceux qui sont morts et qui avaient en eux la vie éternelle, they will rise, ils vont ressusciter from the dead, de la mort. And I described how things will pass, will go for them. Et j'avais décrit la manière dont les choses vont se dérouler pour eux. So this life eternal is very important. Alors cette vie éternelle est très très importante. And the Bible is telling us here. Et la Bible nous dit ici, you receive this life eternal, que vous recevrez cette vie éternelle in Christ Jesus. En Christ Jésus. And that is why, et c'est pourquoi, when you eat of his flesh, quand vous mangez de sa chair and drink of his blood, et vous buvez de son sang, that life eternal, cette vie éternelle is imparted in you. Cela est transmise en vous. Just like, when you eat any food, juste comme quand vous mangez n'importe quelle nourriture, it is digested. Cela est digéré. And the good part is absorbed in and goes into your bloodstream. Alors maintenant, la bonne partie est maintenant accumulée et cela est transféré dans votre sang. And then the blood goes to every cell of your body. Et le sang, cela voyage ou se transporte dans chaque cellule de votre corps. And there, whatever you ate, which was absorbed. Et tout ce que vous avez mangé qui a été accumulé become part and parcels of your entire body. Cela maintenant devient partie de vous. As you partake this element. Pendant que vous partagez cet élément, they are physical.
c'est physique. They will enter your body. Ils vont entrer dans ton corps. They will go to every part of your cell. Ils vont se transporter dans chaque partie de votre cellule. And become part and parcel of your body. Et ils deviendront partie de votre corps. So whatever belongs to Jesus. Alors tout ce qui appartient à Jésus. In spirit. En esprit. It will also be transferred into you. Cela sera transmis en the vous. The same way the physical is being transferred in your physical body, the spiritual will be transferred in your inner man. De la même manière que l'élément physique sera transmis dans votre corps, ce qui est esprit aussi sera transmis dans votre esprit. Whatever is spiritual in Christ will come into your inner man. Alors, ce qui est spirituel et qui se trouve en Christ va se transmettre dans votre homme intérieur. That is why when you are taking this Holy Communion, c'est pour cela que quand vous prenez cette Sainte Cène, be very considerate. Soyez considérate. Alors, il faut considérer cela. And be very, very thankful to God. Et aussi, il faut remercier Dieu. For what is just giving you free of charge. Pour ce qu'il vous donne gratuitement. And you are ensuring your life eternal. Et vous assurez votre vie éternelle. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us now go into the business. Alors maintenant, allons envers l'affaire. So, our dear brethren, in your house now, I'm very sure each one of you, you have this element. Alors mes chers frères et sœurs, dans vos maisons, je suis sûr que chacun de vous contient ou a cet élément. You have the bread, et vous avez le pain, which represents the body of Jesus Christ. Qui représente le corps de Jésus-Christ. You have the cup, vous avez la coupe, which represents qui représente the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Now, the one who has the prerogative in your family to officiate this Holy Communion should wash his hands and sanitize them. Alors celui qui a le mandat de pouvoir officier cette Sainte Cène, il doit laver ses mains et les désinfecter. And then if he has gloves, it is even better also to put them on. Et ça sera mieux s'il y a il a des gants de pouvoir les porter. Now all the other members of your house must wash their hands. Alors, tout autre membre de votre famille et de votre maison doivent laver leurs mains. And if possible, sanitize them. Et si possible aussi, de les désinfecter. We are doing all this to avoid the contamination because you are living in the age of COVID-19. Nous faisons tout cela de pouvoir éviter des contaminations parce que nous vivons dans l'âge de la COVID-19. Now let us pray for this element. Prions pour cet élément. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Here we have the bread. Ici, nous avons le pain. Which represents the body of your Son Jesus Christ. Qui représente le corps de ton Fils Jésus Christ. And here we have the cup. Et ici, nous avons la coupe. Which represents the blood of your Son Jesus. Qui représente le sang de ton Fils Jésus Christ. Lord, humbly. Seigneur, avec humilité, we commit them into your hands. Nous les abandonnons entre tes mains. And we ask you, Lord, et nous te demandons, to Seigneur, bless and sanctify them. De pouvoir les bénir et les sanctifier. Let them serve the purpose of your kingdom. Qu'ils puissent servir les objectifs de ton royaume in our lives, dans nos vies. As we partake it, Lord, pendant que nous les partageons, Seigneur, let every virtue, que toute vertu in the body of Jesus Christ, dans le corps de Jésus-Christ, and in the blood of Jesus, dans le sang de Jésus-Christ aussi, us, que God. Cela soit transmis we en nous, Seigneur. Your word, nous croyons ta parole, and we believe the word of our Lord Jesus. Et nous croyons la parole de notre Seigneur Let Jésus. Your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. And protect us against any contamination. Et protège-nous contre toute contamination. And against the destroyer who is called COVID-19. Et contre les destructeurs qui s'appellent la COVID-19. Protect our families. Que tu puisses protéger nos familles. And protect all of us, oh Lord. Et protège-nous tous aussi, by Seigneur. Your power. Par ton pouvoir. In Jesus' name we Au pray. Nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Now, the one who is officiating
will have the bread. Alors celui qui est en train d'officier ou de diriger cette cérémonie va prendre le pain. If he have gloves, no problem, he can just take the bread and break the bread with his hand the way I do it. S'il porte des gants, il peut juste prendre le pain et le rompre juste de la manière que vous avez observé. But if he does not have gloves, mais s'il manque des gants, he can use serviettes like this. Il peut utiliser les serviettes comme vous le voyez. And he can open the serviette. Et l'ouvrir. And he can wrap the bread. Et aussi aussi emballer le pain. Without touching the bread with his bare hands. Sans de pouvoir toucher le pain main nue. And in this position, he can start breaking the bread. Et dans cette position, il peut commencer à briser ou rompre le pain. So now, I ask everybody in your house, the one now who is in charge of the bread and of the this celebration of the Holy Communion. Maintenant, je prie à tous ceux qui sont en charge ou sont responsables de pouvoir diriger ou officier cette Sainte Cène. To break the bread. De pouvoir rompre le pain. In as many pieces as you have people in your house. En plusieurs morceaux selon le nombre de personnes que vous avez avec vous à la maison. Including the children. Et aussi les enfants. Because we are still taking this Holy Communion as the meal that God ordered the children of Israel to take when they were in Egypt. Parce que nous prenons cette Sainte Cène comme l'ordre de Dieu tel qu'il avait ordonné aussi aux enfants d'Israël pendant qu'il était en Égypte. And when they were seeking deliverance from slavery of Pharaoh and the Egyptians. Et c'est le moment où aussi ils cherchaient la délivrance de Pharaon et aussi les Égyptiens. And God told them each family must have a lamb. Et Dieu les a dit que chaque famille doit avoir un agneau. And it was foretelling the lamb of God that will come, Jesus Christ. Et cela voulait prédire l'agneau de Dieu qui viendra, qui s'appelle Jésus-Christ. And the family had to slaughter the lamb and cook it and eat it, all of them, including children. Et la famille devait donc tuer l'agneau et le manger avec toute la famille et aussi les enfants. And that made them to receive the miracle of deliverance. Et cela les a fait de pouvoir recevoir le miracle de la délivrance. As it was with them. Tel que c'était avec eux, so it is with us. C'est now la même chose qui s'applique avec nous aujourd'hui. We have the enemy COVID-19. Nous avons l'ennemi, la COVID-19. We want God to deliver us from his bondage. Nous voulons que Dieu puisse nous délivrer de son esclavagisme. And we are taking this bread as the body of Christ, as the Lamb of God. Et nous prenons ce pain comme le corps de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. And we want to partake it. Et nous voulons le partager also ensemble. For that purpose, aussi pour cet objectif, to be delivered, d'être délivré from this scourge, de ce fléau, in Jesus' name, au nom de Jésus. So break now the bread. Alors rompez le pain. Whatever remains, keep it properly, and at the end of all, the one who is serving can partake it with the people who are there, because all of you are priests unto God. Alors gardez ce pain bien, ce qui reste, et vous pouvez le partager après avec tous ceux qui sont avec vous ensemble, parce que maintenant vous êtes considérés comme des sacrificateurs à Dieu. Especially those who are born again. Surtout pour ceux qui sont nés de nouveau.
After doing that, après avoir fait cela, now you have to take as many cups as you have people in your house. Vous devez prendre des verres selon le nombre de personnes que vous avez avec vous à la maison. And start now pouring the juice which represents the blood of Jesus in each one of those glasses. Et commencez maintenant de verser le jus dans chaque verre qui représente le sang de Jésus. Okay. For me, everything has been done already. Pour moi, toute chose a été effectuée déjà. So, let us sing this song. Alors, chantons ce chant. What can wash my our sins away? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh precious streams that flow, that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh precious streams that flow, that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Can we say, dear Heavenly Father? Disons, cher Père éternel. I come before you. Je viens à toi. Asking you, O Lord. Et je prie, je te demande, Seigneur. To forgive all my sins. De pouvoir pardonner tous mes péchés. Sins of idle words. Les péchés de paroles grossières. Sins of idle mind. Les péchés de pensées sans action. And sins of evil thinking. Des péchés de pensées méchantes. And evil attitudes. Et des attitudes aussi méchantes. Evil motives. Des motivations méchantes. In my heart. Que j'ai dans mon cœur. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur, and cleanse me, Lord, et que tu puisses me purifier. So that as I partake this Holy Communion, parce que pendant que je partage cette Sainte Cène, I will be in fellowship with you, je serai en communion avec toi, to the glory of your name, à la gloire de ton nom. Forgive the sins of my physical body, pardonne les péchés de mon corps physique, of the things that I see, des péchés, des choses que je vois, which are not right, qui ne sont pas justes, of the words that I have heard, des paroles que j'ai écoutées, which have brought defilement in my spirit, qui ont porté la pollution dans mon esprit. Forgive me, Lord, pardonne-moi, Seigneur, and cleanse me, Lord, et purifie-moi. And things that I have touched, et des choses que j'ai touchées, and the actions that I have done, et des actions que j'ai effectuées, that are evil, qui sont méchantes. Lord, forgive me, pardonne-moi, Seigneur, and wash me, et lave-moi with your precious blood, par ton sang précieux. Let your name be glorified, que ton nom soit glorifié. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Now you can now serve the bread to all the people of your house. Maintenant, vous pouvez servir et donner le pain à chacun qui se trouve dans votre maison. Each person will take the bread, et chacun prendra le pain, and keep it, et le gardera. Then later on he will keep the cup. Après cela, maintenant, il va garder la coupe. And will hear me giving the instructions. Il va m'écouter donner les instructions. On how to partake it. To de la manière donc que nous allons les partager ensemble. Okay. Let us go on. Alors continuons. I want also to serve the people who are with me in this studio. J'aimerais aussi servir ceux qui sont ici avec moi dans ce studio. Now, when you finish, you can serve the cups, give to each one of them. Quand vous avez terminé de servir le pain, vous pouvez maintenant servir
les coupes et les verres. I want to serve those who are with me here. J'aimerais aussi servir ceux qui sont ici avec moi. Father, we adore you. This day we lay our lives before you. We want to tell you how we love you. We want to tell you let us now partake the bread. Mangeons maintenant le pain. Let us take the cup. Prenons maintenant la coupe. Let us ask the man of God to come and pray for us. Demandons à l'homme de Dieu de pouvoir venir prier pour nous. Our dear Heavenly Father, notre cher Père éternel, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, we do thank you, nous te remercions for this privilege, pour ce privilège, to partake of this holy communion, de pouvoir partager de cette sainte scène. We have read your word, nous avons lu ta parole. That though we are physically alive, que même si nous sommes vivants physiquement, but this is a means, mais cela, ceci, c'est un moyen, acquiring eternal life, d'acquérir la vie éternelle, and being eligible for a resurrection when you come, et d'être éligible pour la résurrection à ton avènement. As you have explained to us, comme tu nous as expliqué, that this bread, que ce pain symbolizes your body. Cela symbolise ton corps. And the cup, your blood. Et la coupe symbolise ton sang. We know as you have taken, nous savons que pendant que nous avons pris, may your word be true. Que ta parole puisse être véritable. May all your virtues, que toutes tes vertus, be imparted in our spirit, soient transmises en nos esprits, in our soul, dans nos âmes, in our entire life, et dans notre vie entière. May your virtues, et que tes vertus now transform every one of us, puisse transformer chacun de nous, in the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus Christ. And you have told us, O Lord, et tu nous as dit, ô Seigneur, that also, qu'aussi, it is able to help us, cela est capable de nous aider, to give us the greatest deliverance, de nous donner la délivrance la plus grande, from every scourge of sickness, de tout fléau de maladie. Even this sickness of virus of corona, même ce virus de coronavirus, and other terminal sicknesses, et d'autres maladies, let them be destroyed, qu'ils soient détruits, in our lives, dans nos vies, in the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus Christ, as it was in the children of Israel, comme cela c'était avec avec les enfants d'Israël, when they slaughtered a lamb, quand ils ont tué un agneau, and put on the door frames, et ils ont mis les sur leurs portes, and you protected them, et tu les as protégés. We believe this protection, nous croyons en cette protection, of our lives, sur nos vies, of our families, sur nos familles, of our possessions, sur nos possessions. Nothing of evil, rien du mal, shall touch us, va nous toucher. We believe, nous croyons, as this bread, que comme ce pain, which is your body, qui est ton corps, and the cup, et aussi la coupe, which is your blood, qui est ton sang, as we have eaten, pendant que nous l'avons mangé, as it is in the natural food we take, comme cela se trouve dans l'aliment naturel que nous prenons, and the natural drink, et aussi dans la boisson naturelle, it becomes part and parcel of our body, cela devient partie de nos corps. We know your body has been digested in our lives, nous savons que ton corps a été digéré dans nos vies, and your blood in our lives, et aussi ton sang
puissant dans nos vies. We receive by faith. Nous les recevons par la foi. All the virtues of Christ. Toutes les vertus du Christ. All the blessings of Christ. Et toutes les bénédictions du Christ. That is our declaration. Ceci, c'est notre déclaration. And we know by faith it is done. Et nous savons que par la foi cela a été effectué. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. In Jesus' name we Au pray. Nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Japheth Oyoko. Merci beaucoup, Pasteur Japheth Oyoko, for this such a powerful prayer. Pour une telle prière puissante. Now it is our time. Maintenant, le moment est arrivé. To collect our offerings. De pouvoir donner nos offrandes. And for the work of the Lord. Pour l'œuvre de Dieu. And according to His recommendation. Et selon ses recommandations. That we have to honor Him. By our possessions. Que nous devons l'honorer avec nos possessions. I want to pray. J'aimerais prier. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. As the brethren. Comme les frères et sœurs. Have been blessed. Ont été bénis. By this service. Par ce culte. From the time that it started. Depuis son début. Up to now. Jusque maintenant. You have blessed them. Tu les as bénis. They also in return. Et aussi en retour. They want to bless your work. Ils aimeront bénir ton œuvre. Because. Parce que. It is not a repayment. Ce n'est pas un remboursement. They are not able to repay whatever you do in our lives. Ils ne sont pas capables de rembourser tout ce que tu fais dans nos vies. But as a token of appreciation. Mais comme un don d'appréciation. And also to obey your word. Et aussi de pouvoir obéir à ta parole. That says that no one comes to you. Empty-handed. Qui dit que personne vient chez toi main vide. And your word also in Malachi said that if we bring our tithes and et, our offerings. Et ta parole dans le livre de Malachie qui dit que si nous amenons nos dîmes et nos offrandes to your house, dans ta maison, you are going to open the windows of heaven. Tu ouvriras les fenêtres du ciel. You are going to bless us. Et tu vas nous bénir. In a way that we will even not have enough room to keep those blessings. Dans une manière que nous manquerons même de l'espace de pouvoir garder ces bénédictions. You shall even rebuke the devourer. Tu vas aussi réprimer les dévoreurs. During this COVID-19. Pendant cette COVID-19. Many people have lost their jobs. Plusieurs personnes ont perdu leurs emplois. The devourer have devoured the source of their income. Le dévoreur a dévoré la source de leur gain. Some of them, their income has been cut off 50%, sometimes 70%. Il y a ceux dont leurs gains ont été coupés ou retranchés de 50%, d'autres même en 70%. Lord, as these people obey your word. Seigneur, pendant que ces gens obéissent à ta parole. We ask you also to fulfill your word. Nous prions que tu vas aussi accomplir ta parole. Rebuke that devourer. Que tu puisses réprimer ces dévoreurs. That is trying to destroy the jobs of our brethren. Qui essaie de pouvoir détruire les emplois de nos chers frères and et sœurs. And bring the employment lack of employment in many people. Et aussi amener le chômage dans la vie de plusieurs personnes. But from now on, Lord, mais Seigneur, de maintenant, rebuke that devourer. Que tu puisses réprimer cet dévoreur. And whatever your people have lost, et tout ce que ton peuple a perdu. Please, Lord, Seigneur, restore, s'il vous plaît, que tu puisses le restaurer. According to your promise, selon tes promesses. In Joel. Dans les livres de Joël. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Okay, so our brethren, you can see in the screen where to channel your givings. Alors, chers frères et sœurs, vous pouvez voir sur l'écran là où vous pouvez canaliser votre offrande, vos offrandes. But if you have any difficulty, mais si vous avez des difficultés, please call us. Que, s'il vous plaît, vous pouvez nous appeler. Or if you are living in Nairobi, et si vous habitez à Nairobi, come to our office. Vous pouvez venir dans notre bureau, Upper Hill, à Upper Hill, in Lower Hill Duplex, à Lower Hill Duplex, and room 42, chambre 42.
So if you come there, alors si vous venez là, from Monday to Friday, de lundi jusqu'au vendredi, you will always find us there. Vous allez nous trouver ici chaque fois. So you are the most blessed person. Alors vous êtes la personne la plus bénie. Let me now give you the priestly blessing that was recommended by God. Alors laissez-moi vous donner les bénédictions sacerdotales que Dieu avait recommandées. As we read it in the book of Numbers chapter 6. Pendant que nous les lisons dans le livre de Nombres chapitre 6. Can you lift up your hands? Levez vos mains. And the Lord spoke to Moses saying, speak to Aaron and to his sons saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. May the Lord bless you and keep you. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. May the Lord make his face shine upon you. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. And may the Lord be gracious to you all. Et qu'il t'accorde sa grâce. And may the Lord lift up his countenance upon you. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. And may the Lord give you peace now and forevermore. Et qu'il te donne la paix de maintenant et à jamais. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, and the love of God, et l'amour de Dieu, and the fellowship of the Holy Spirit, et la communion du Saint-Esprit, be with us now, soit avec nous maintenant, and forevermore, et à jamais. Amen. Amen. So, brethren, please share all this message with as many people as possible. Alors, chers frères et sœurs, partagez ce message avec plusieurs personnes que vous pouvez les partager Give avec. Give them the link. Que tu puisses les donner les liens. Crisco Parkland Church. Crisco Parklands, donc église de Crisco Parklands. And you just click in YouTube Crisco Parkland Church. Et vous pouvez juste cliquer et écrire sur YouTube Crisco Parkland Church. And you will see all that. Et vous allez voir tout ça. See Sunday service. Le culte de dimanche. And you will see also the topic Who are you? Et vous allez aussi voir le sujet Qui es-tu? Wewe ni nani? Donc qui es-tu en Kiswahili wewe ni nani? All that is to build you up. Tout cela c'est pour vous bâtir. So be diligent on that. Alors soyez diligent sur ça. And God bless you. Et Dieu vous bénira. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ.